Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Apprendre la photo. Aujourd'hui c'est mardi c'est analyse d'image et aujourd'hui je voudrais revenir sur le travail de Marc Ribou, un gigantesque photographe qui nous a récemment quitté à l'âge de 93 ans. Alors son travail est beaucoup trop énorme pour que je puisse réellement vous en donner ne serait-ce qu'un aperçu d'un millième dans une vidéo sur un format court, peut-être qu'un jour je ferai un format plus long sur lui. Du coup j'ai pris le parti de vous parler d'une image aujourd'hui et ensuite de vous laisser regarder le reste de son portfolio. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Donc l'image dont je vais vous parler, c'est celle-ci parce qu'elle illustre extrêmement bien le concept de cadre dans le cadre dont vous avez peut-être déjà entendu parler. L'idée du cadre dans le cadre, eh bien, c'est de faire un cadre avec un élément à l'intérieur de la photo qui elle-même est un cadre puisque chaque photo est forcément cadrée, elle a forcément des limites. Et eh bien là, voilà, l'idée c'est de mettre d'autres cadres et ici, c'est quelque chose qui est utilisé quasi à son extrême puisque vous pouvez voir qu'on a quasiment plusieurs photos dans la photo. Donc, vous voyez que si on prend par exemple juste ici cette partie-là, eh bien, on a une vraie scène qui se passe nous juste, c'est-à-dire qu'à elle seule, elle peut déjà faire une photo qui est bien composée. Hein, on a un vrai premier plan à gauche ici, avec une partie un peu sombre qui ferme l'image. On a un second plan, on a un troisième plan avec un truc qui se passe. Tout est bien pris au bon moment et ça, ça peut faire une photo en soi. À droite, on a également un autre niveau de lecture, puisqu'on a une passante qui regarde directement l'objectif et qui attire tout de suite l'œil parce que justement, elle établit le contact visuel. Et vous avez un arrière-plan qui, bon, en lui-même, voilà, apporte quelque chose en plus, mais pas forcément beaucoup. Par contre, cet arrière-plan interagit directement avec la partie centrale qui donc en elle-même est une scène qui est intéressante puisqu'il y a une vraie interaction. On a le monsieur qui regarde directement vers la caméra. On a ici une scène qui se passe. Donc si on n'avait pas la partie droite de l'image, hein, imaginez qu'on n'a pas toute cette partie là, et bien ici ce serait quelque chose d'assez mystérieux comme cadrage puisqu'on aurait ces deux personnes qui regardent vers la droite et on ne saurait pas où. Donc ça c'est un moyen en photo de créer du mystère, mais là on sait où puisque on voit qu'il y a la petite fille ici. Donc c'est vraiment un moyen en fait à la fois de faire une scène qui est intéressante et mystérieuse et de révéler la réponse au mystère juste après en mettant la petite fille de l'autre côté du cadre noir. Les autres cadres, quant à eux, contribuent à donner un peu plus d'informations sur le contexte, puisque si on regarde ça, et notamment le cadre de gauche, eh bien, on voit bien que on n'est pas en France. Et forcément, le fait d'être dans le contexte de la Chine en 1965, n'oubliez pas qu'à l'époque, on n'avait pas autant d'images du monde entier, donc avoir une image de Chine, c'est déjà beaucoup plus original que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et évidemment, ça rajoute un niveau de lecture supplémentaire à l'image. Je voudrais juste vous faire remarquer que, évidemment, tout ce qui est noir ici, c'est complètement bouché, donc juste pour vous faire voir que c'est pas forcément obligatoire d'avoir du détail partout dans une image. Alors il y a plein d'autres photos qui sont extrêmement intéressantes, évidemment c'est un photographe de grand talent donc forcément il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, vous voyez ici j'ai plein de lignes qui mènent vers le second sujet. Ici par exemple j'ai également la ligne de l'action et les lignes de l'image qui vont toutes mener vers le sujet, donc vous avez beaucoup de choses à regarder dans ces photos. Je vais pas tout décrire parce que sinon cette vidéo va durer une heure et c'est vraiment pas le concept, mais je vous invite très sérieusement à aller voir un petit peu les images de Marc Ribou, je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo pour analyser vous-même et savoir un petit peu ce que vous pouvez retirer de ces photos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez-lui un pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les vidéos suivantes puisqu'il y en a une chaque jour du lundi au vendredi à 6h30. Si vous débarquez sur la chaîne, pensez à télécharger juste à droite mon guide Faites-vous plaisir en photographiant pour faire de meilleures photos. Il suffit de cliquer sur le visuel, la fiche, le lien dans la description, etc. Puis je vous dis à demain dans la prochaine vidéo et d'ici là, à bientôt et bonne photo.